m'appelle Benjamin Poirier. J'ai d'abord commencé par une école qui forme donc les pilotes de l'armée de l'air. Puis après, je suis reparti dans le civil donc pour faire mon cycle ingénieur à l'UTC à Compiègne. Le sujet de la thèse, donc, c'est l'utilisation des tubes Herschel-Quicke pour la réduction du bruit de soufflante. C'est une application dédiée à l'aéronautique. Les recherches ont été effectuées au laboratoire Robert Val au sein de l'Université de Compiègne dans le département génie mécanique. Depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a des contraintes environnementales qui nous imposent donc de réduire les niveaux seuil de bruit des moteurs. Et donc ça passe par la conception de technologies innovantes. Dans un avion, il y a différents types de bruit. Nous, on va travailler spécifiquement sur le bruit moteur. Et en l'occurrence, dans ce bruit moteur, on va étudier en particulier le bruit de la soufflante. Et donc les tubes Herschel-Quicke sur lesquels j'ai travaillé durant ma thèse visent à améliorer les performances au décollage et à l'atterrissage en termes d'émissions de bruit. De plus, cette diminution de bruit s'accompagne également d'une diminution des gaz émis. Donc d'un point de vue écologique, on limite l'impact environnemental. Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur recherche au département acoustique de la STECMA à Villaroche. Je participe également aussi à des campagnes d'essais, de mesures en France et également à l'étranger. Aujourd'hui, on travaille à l'application concrète de nos recherches. La plus intéressante pour nous ingénieurs, c'est de passer de cette conception dessin à une utilisation pratique qui va être intégrée sur des bancs et des moteurs dans la réalité. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'aéronautique. Et là, maintenant, de pouvoir travailler à l'élaboration de technologies innovantes et dédiées à l'aéronautique, pour moi, c'est l'aboutissement.